grand leader, avant sa mort, disait « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lui ne vient au Père que par moi. Bien aimé, nous devons prier. Beaucoup prier, non seulement pour nos différentes nations, mais prier pour le monde. Parce que le monde ne recueillera pas. Dès le début de l'année, j'avais dit que l'année sera difficile. Et en février, lorsque la guerre de l'Ukraine a commencé, j'ai dit, ça va se faire 6 mois, entre 6 mois à 1 an. Et la Russie va perdre cette guerre. Rien n'est encore fini. Ce qui est important est que nous devons prier. Que soit ça se cesse même avant le temps. Quand Dieu révèle, il révèle pour racheter. Dieu révèle pour racheter. Il révèle, c'est-à-dire pour que nous prions pour renverser une situation. Quand les prophéties ou ce qui révèle et des choses à main, c'est pas pour nous frayer, mais c'est pour nous aider à prier pour que ces choses ne viennent pas, ou ça s'arrête, ou il donne une solution. C'est ce que la Bible, les prophètes dans la Bible ont tout à fait comme des modèles. Pourquoi je dis nous devons prier est ceci. Il y a un autre aspect qui arrive, qui est très important. Et que si toi et moi, nous ne prions pas, ça va arriver. Ézéchiel chapitre 1, verset 9, nous fait comprendre que c'est ce qui était et c'est ce qui arrive est aujourd'hui et c'est ce qui va venir. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Ce que je sais, actuellement, COVID est fini. On parle de cette guerre de l'Ukraine qui a envoyé. Au début, quand ça a commencé, les uns et les autres, on s'est dit, c'est loin de nous. Mais vois comment la cherté de la vie, il n'y a aucun pays dans ce monde qui est à l'abri. Le monde est un village global. Est un voyage global. Donc nous devons prier. Christ nous a donné le devoir pour prier. Étant enfant de Dieu. Je ne dis pas les hommes de tout le monde, nous tous nous sommes enfants de Dieu, corps de Christ, pour prier. Ce qui arrive est plus choquant même par rapport à cette guerre de l'Ukraine. Les crises financières. C'est ce qui arrive. Les crises financières où les gens ne feront plus confiance à des banques, ne feront plus confiance à leurs États. Et l'argent que nous aurons à main n'aura pas ses valeurs. On va revenir à l'ancien temps où on dit, oh, j'ai mon sel, est-ce que tu as poisson? On peut se changer. Mais si nous prions, Dieu va racheter. Il va changer les choses pour nous. C'est ce qui est important. La prophétie ne donne pas pour nous effrayer. Souvent, je ne critique pas, mais quand on donne la prophétie, des fois on pense que il faut que le malheur, ou bien ce que nous avons dit, ou on dit telle personne doit mourir, bien ça, on prie que ça meure, et puis quand ça arrive, on dit, ouais, je n'ai pas dit que ceci doit arriver. Non, ça c'est idolâtrie pure et diabolique.
Si Dieu te révèle que quelqu'un doit mourir, il faut prier pour que la vie revienne. C'est ça, et l'importance. Mais on ne dit pas la personne doit mourir et pour nous, est que le malheur arrive pour montrer à la chaîne ou faire un spectacle pour dire non, je n'ai pas dit que ceci doit arriver. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est important. Quand Dieu révèle, il rachète. Il révèle pour que toi et moi, nous mettons ensemble et nous prions pour annuler. Quand nous regardons dans la Bible, il y a eu plusieurs cas où Dieu a révélé des calamités, des difficultés. À tout moment, le peuple prie, Dieu change. Les prophéties sont toujours pour toi et moi dans ce moment où nous sommes, est conditionnel. Si. Donc quand nous prions, Dieu change. C'est très important. Ne pense pas que quand tu dis une prophétie qui est de malheur, automatiquement ça doit arriver. Prie. Si c'est une bonne prophétie et que Dieu t'a donné et t'a appelé pour être un prophète, moi je ne suis pas prophète. Il faut prier que ce que tu as dit, Dieu rachète et change sa décision. Mais on ne prend pas le malheur et puis on dit, ouais, j'ai pas dit que ceci doit arriver. C'est une honte. C'est pas ce que la Bible et Dieu nous enseignent. Quand il révèle, il rachète. Donc, que Dieu nous aide à corriger nos prophéties. Et encore une fois, tous les prophètes qui ont prophétisé étaient audacieux. Audacieux, foi en Dieu et ne craignez pas, peu importe ce qui peut arriver. Mais nous constatons aujourd'hui que moi je suis allumé. Je prophétise des choses qui sont en Tanzanie. Je vois le poudre qui est en Tanzanie. Et dit non, voilà ce qui va arriver à Tanzanie. Voilà ce... La Bible nous dit, l'évangile commence chez toi. Parce que si nous disons au Togo, tu sais que bon, ce que tu vas dire, si c'est au contraire, l'État va t'interpeller. Donc tu sais que Tanzanie est loin et tu pars de Tanzanie. Mais où tu es même là, il y a aussi les problèmes. Pourquoi nous ne prions pas? Ou bien nous ne prophétisons pas ce qui est chez nous, mais nous aimons toujours extérieur. Souvent, je constate beaucoup à tous nos frères qui sont à l'extérieur. Ils ont des prophéties incendiées par-ci, par-là, dans nos différents pays, en Afrique, par-ci, par-là. J'ai dit, ce n'est pas de Dieu. S'ils sont dans le pays, ils ne peuvent pas faire, mais parce qu'ils sont là-bas, ils se disent, ils regardent derrière, ils se disent, ah, ici, là, qui va venir m'arrêter? Donc, ils parlent comme prophétie. Non. Dans la Bible, il y en a tellement, j'en ai vu même un Michée qui avait prophétisé contre un roi. Et le roi a dit, tu ne fais rien de bon pour moi. Je vais en guerre à mon retour, je vais m'occuper de toi. Il a dit, si tu vas et tu viens, tu vas s'occuper de moi. Quand Dieu te donne, pas dans l'arrogance, mais il donne avec, l'assurance. À moins que nous ne savons pas que ce que nous disons est réel, que ça doit venir. Mais en Togo, tu vois les poudres qui se passent, en Tanzanie. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vois les poudres qui se passent, en Afrique australe. Tu es au Ghana, tu vois les poudres qui se passent, parce que tu sais que ces gens, si tu pars de chez toi, on ne peut pas qu'on ait mais Dieu ne te dit rien dans le pays où tu es. Dieu ne te dit rien. Il ne faut pas que nous laissons de faire spectacle. On n'est pas des spectateurs. Dieu n'a rien dit, tais-toi. Moi, si Dieu me dit, parle de ce qui est Afrique du Sud, il dit Dieu, moi je vis au Togo. Pourquoi tu ne me réveilles pas ce qui est ici pour que j'ai pris? Pour racheter,
si c'est une calomnie, pour racheter, mais pointer au doigt à ceux qui sont là-bas. Il y a aussi des prophètes là-bas. Prie pour ton pays, pour que Dieu te donne la prophétie de là. Il y a une chose qui est venue sur les domaines publics, que je ne parle pas pour critiquer, parce que c'est sur les YouTube. À chaque fin d'année, le Ghana, selon les YouTube, il y a plus de cinquantaine de prophètes. Tel prophète dit, tel parti là, le président, toi, tu vas mourir. D'autres disent, non, c'est tel parti là qui va gagner. D'autres disent, des prophéties par-ci, par-là. Finalement, on ne sait pas qui dit vrai, alors que Dieu ne contredit pas. Et l'année passée, c'est sur YouTube, allez-y voir. Le directeur de la police a mis au créneau et il a dit, j'ai dit aux églises, les prophètes, cette année-là, je ne vais pas attendre que quelqu'un prophétise. Celui qui prophétise, je le mets en tort. Et durant la fête de Noël jusqu'à janvier, il n'y a même pas eu une prophétie. Ce qui veut dire que tout ça n'a pas tort. Tout c'est faux. Si c'est la prophétie est vraie, tu vas dire, non pour défier, comme on appelle, le directeur de la police, mais pour lui montrer les signes, comme les paroles de Dieu nous disent, voici tel signe, voici tel signe, voici tel signe. Si ça n'arrive pas, traite-moi de telle manière comme les prophètes. Il a dit, chacun dit, hey, moi j'ai mes enfants, oh. Moi j'ai mon église à manger, oh. Il n'y a même pas prophétie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous prophétisons en fonction de nos sentiments ou faire des spectacles pour faire voir les choses. Je dis parce que moi-même, j'y fais partie. Dieu nous enseigne beaucoup de choses à se corriger. Et même, il parle que quand on a dit cela, il n'y a même pas un prophète qui s'est levé pour dire quelque chose. Il faut que nous corrigeons nos manières de faire la prophétie, nos manières de faire les choses. À ne pas mettre la peur dans le ventre des gens, que tu vas mourir. Quand Dieu dit tu meurs, il te donne une solution, comment il faut faire pour que tu ne meurs pas. Et que nous laissons ce qui est de choses façon. J'ai dit et je répète qu'on aura cette crise financière. Cette crise financière va venir. Mais nous devons faire très attention et prier pour que nous ne partons pas en crise et en crise. Nous tous, nous subissons. Si nous crions vers Dieu, il nous a, nous sommes le sel. Le sel, c'est de la valeur. Le sel a une valeur. Il change. Ce qui est comme pourriture, quand on met le sel dedans, il gâte sa saveur. Et si nous prions, Dieu peut racheter. Non seulement on rachète le monde pour que nous restions définitivement dans le monde, mais pour que sa volonté, l'ennemi ne précise pas le monde à sa propre guise. C'est pourquoi Dieu révèle pour racheter. Dieu révèle pour racheter. Et je parle encore de cette guerre en Ukraine. Et j'aimerais que nous comprenions certaines choses ensemble. Ce n'est pas des choses qui étaient arrivées de la hasard. Quand tu étudies la Bible, tu vas voir que ce n'est pas des choses qui sont venues de la hasard. À 700 ans avant Jésus-Christ, et à un siècle, 100 ans avant que Nebuchadnezzar ait eu sa vision où il a eu sa vision où Daniel a interprété la vision qui lui montre que la tête était en l'or, la poitrine était, comme on appelle, les brasses ou le ventre était comme d'haleine
et les pieds étaient de fer, les jambes étaient de fer, et les pieds étaient mélangés avec l'argile et le fer. Il y avait un poète qui s'appelle Hésiode, poète antiquité grecque. 700 ans avant Jésus-Christ, un siècle avant que Nebuchadnezzar ou Dinosaure a eu ses rêves, a dit aussi, le monde, être humain est fait, va passer dans 4 développements. Il a dit, il n'était pas chrétien, il a dit, être humain va passer de 4 développements. Si aujourd'hui on allait dire Nebuchadnezzar, c'est un prophète, Nabi, parce que la vision qu'il a eue, c'est ce qui nous permet de chronographier de ce que toi et moi, nous suivons aujourd'hui, et que Daniel a interprété. Aujourd'hui, Dieu nous montre qu'Afa, on parle, on est prophète. Laissez tomber ça. Nebuchadnezzar n'était pas prophète. Mais vois la vision qu'il a eue, et Daniel a interprété qu'il continue à nous faire valoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a dit la tête était l'or qui représente l'empire babylonien, l'empire mède et perse, qui dit la poitrine et les bras étaient d'alain. Et il a dit aussi le ventre et le cuisse étaient d'alain. Les poitrines étaient d'argent plutôt, les poitrines étaient en argent. Et le ventre et les cuisses étaient d'alain, et les pieds étaient de fer. Maintenant, une partie était mélangée avec argile, mais les jambes étaient de fer. Bien aimé, quand l'Empire romain il a déclaré que l'Empire romain c'est le fer. Mais à un moment donné, cette fer était mélangée avec l'argile. Et quand l'Empire romain tombait, et quand nous lisons Daniel chapitre 2, verset 42, il nous dit ceci. Tandis que j'ai vu les pieds et les orteils, une partie d'argile des potiers et une partie de fer. Le royaume sera divisé, mais il aura en lui la force de fer, mais affaibli à cause de l'argile fangeuse. Et comme les autels et les pieds étaient en partie en fer et en partie en argile, de même le royaume sera en partie en fort et en partie brisé. Daniel nous expliquait que les jambes du rêve ou la vision que Nebuchadnezzar a eue était l'Empire romain. Mais cet empire-là va tomber. Et les orteils et les pieds étaient mélangés entre l'argile et le fer. Et quand nous voyons l'Empire romain a commencé au Sidon, en Italie, jusqu'à en Asie. L'Empire romain représente le fer. Comme Daniel nous a expliqué dans la révélation, la vision qu'il a expliqué à Nebuchadnezzar dans son livre Daniel chapitre 2, il nous fait comprendre que les jambes qui étaient le fer, étaient l'Empire romain. Et cet royaume va tomber. Mais il a parlé, verset 42 de Daniel 2, il a parlé de pieds et les orteils qui étaient mélangés. Les pieds et les orteils qui étaient mélangés, qui est argile et le fer.
Et je viens d'expliquer que le fer symbolise la force, la puissance, travail acharné, ténacité ou courage. Ça présente aussi l'endurance, l'énergie. Et quand nous lisons le livre, on voit Psaume 149, verset 8, il dit « Pour lier les rois avec des chaînes et les grands avec les sceptres de fer. » 107, verset 10, il dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captives dans la misère et dans les chaînes. » Il voit le livre des Juges, chapitre 1, verset 19, il dit « L'Éternel fuit avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne peut chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. » Il y a tellement de passages qui représente le fer, mais compte tenu du temps. Mais il a dit, ce fer est mélangé avec l'argile. Et lorsque nous voyons l'Empire romain tomber, l'Empire qui a commencé au Occident jusqu'en Asie, on voit que les auteurs doivent être ensemble, mélangés, ensemble. Mais comment le fer et l'argile peuvent mélanger ensemble? L'argile nous fait comprendre être humain, l'homme dans sa nature. Nous sommes créés par la terre, agile. Nous sommes créés par agile. Et à cette agile qui est toi et moi, nous avons la présence de Dieu, les caractères qu'il le faut. Le temps ne va pas permettre que je continue, mais je vais donner un simple résumé. Quand nous voyons que l'Empire romain est délocalisé, tombé, on voit du côté est, ont embrassé le fer. On voit l'histoire des Mèdes et Perses jusqu'à nos jours. Tout est en Asie ont le symbole de fer. Et ceux qui ont embrassé ce symbole de fer gouvernent avec ténacité, avec de force, avec de puissance, avec d'endurance. Et nous voyons que ces parties-là, que Dieu me pardonne, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, il n'y a que des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Mais la douceur avec le fer ne mélange pas. Et la douceur qui fait partie de l'Ouest vive aussi à une communauté comme une démocratie. Le fer, c'est la puissance. Le fer, c'est une autorité inflexible. Mais quand tu vois ce qui est douci et tu veux mélanger avec, ça ne marchera pas. Et regardez, je ne veux pas aller très loin. Quand nous voyons le drapeau de la Russie, les emblèmes, les crestes, ils ont le fer amer. Et l'aigle est désigné comme le fer. Et quand nous voyons tous les pays de l'Asie, d'Antiquité, c'est emblème de fer. Et c'est des guerres de permettre à voir une puissance, une autorité, soit à une religion ou soit un gouvernement. Et regardez le fer. Ne mélange pas avec ce qui est douci.
Dès un moment, Russie et Ukraine a commencé à goûter ce qui est de la douceur, la démocratie, ça ne marchera pas. C'est comme tu sors du fer et ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas. C'est ce qui est en train d'aller. Et mais l'Ouest, qui est la Gire, veut dompter le fer. Non pas uniquement la Russie, mais tout ce qui est en Asie. Mais à un moment donné, ça ne marchera pas. Parce que le fer n'a jamais mélangé avec la Gire. Bien aimé, on n'est pas encore arrivé là. De ce que, après l'enlèvement, on aura, comme on appelle, un gouvernement mondial pour permettre d'aller les choses. Mais nous sommes en train de aller dans l'introduction. En regardant à l'Est, tout ce qui est extrême, Moyen-Orient, en Asie, Asie de l'Ouest, Asie de l'Est, toutes ces choses ont embrassé le fer. Après la délocalisation de, comment on appelle, quand l'Empire romain a brisé. Ceux qui sont à l'Ouest ont pris la Gire, qui est la démocratie. Mais ils veulent mélanger avec la Gire, comment on appelle, le fer, même moment donné. Et ceux qui sont mélangés et qui veulent quitter, n'aura pas la main facile à quitter. Il y aura toujours des chocs. Et ce choc va continuer. Donc, bien-aimés, nous sommes en train d'assister dès le début de commencement. Mais nous devons prier. Et nous devons prier. Et prier pour le monde entier. Et je répète, nous devons prier parce qu'il y aura les crises financières. Où les banques, on ne fera pas confiance. Où on ne fera pas confiance à de l'argent même que nous-mêmes, nous avons en main. Prions. Prions pour le monde. Prions pour les États qui gèrent de l'argent. Et nous enchaînons sur nos pays, par-ci, par-là. Mais ils n'ont pas la maîtrise. Nous devons prier. Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »